Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Freestyle de Blender. Tout d'abord, qu'est-ce que l'outil Freestyle? L'outil Freestyle permet au niveau du rendu de Blender, de créer des traits en fait à la place des edges ici pour donner un aspect dessiné à notre modèle 3D. Donc très simplement, je vais activer je vais d'abord faire un rendu pour que vous voyez bien la différence. Vous voyez, ici, j'ai mon rendu sans que le freestyle soit mis. Hein. Voilà. Donc le rendu est stocké dans le slot 1. Ici, je vais placer sur le slot 2 maintenant. Je vais activer freestyle et je vais refaire un rendu. Voilà. Vous voyez la différence, c'est que après que le rendu de mon modèle soit fait, il a été dessiné des lignes en fait en pourtour de mon modèle, ce qui lui donne un aspect dessiné. Vous pouvez le voir très simplement, là je passe slot 1, slot 2, hein. Vous voyez la différence entre les deux. Nous allons passer sur un slot 3 et nous allons aller dans le render layer. Puisque ici, tout ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez modifier la taille du trait. Hein. Par exemple, dans le slot 3, par exemple, je vais modifier le trait, je vais le passer à 3 d'épaisseur, je refais un rendu. Voilà. Hein. Donc voilà, rendu avec un trait de 3 d'épaisseur, avec un trait de 1 d'épaisseur, et sans trait. Voilà. Donc je vais passer dans le slot 4. Il va falloir que j'en fasse trop, parce qu'il y en a que 8. je vais aller dans le render layer, je vais aller dans la partie freestyle qui a été créée. Si par exemple ici je décoche freestyle, je n'ai plus de partie freestyle dans le render layer. Il faut absolument que freestyle soit coché, ce qui est un peu logique. Voilà, freestyle. Et donc ici dans freestyle, vous avez différents panneaux pour pouvoir modifier vos lignes. Pour pouvoir modifier vos lignes et différents paramètres. Nous verrons tous ces paramètres dans le tutoriel de demain. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo et puis à demain pour la description en détail du menu de Freestyle.